Salut! J'ai envie de rire parce que juste avant il faisait des trucs, c'est... On faisait les gogoles? Non mais c'est un... Je sais pas comment il fait. On a des barres au stade, des barres de rire. Ah ouais, non mais vous nous verriez avant les vidéos, c'est quelque chose. Ouais, faudrait qu'on fasse un... C'est le déstress, c'est le déstress, je pense, ouais. C'est ça en vrai. Ouais, enfin là c'était fort quand même. Pas bon. On se retrouve pour l'épisode 8 de Destiny qui s'intitule Vénus. Voilà. La plus belle des planètes, gros. C'est la plus belle pour toi? Ah ouais. C'est vrai qu'elle est, elle est vachement plus colorée. On va se lever parce que j'étais dans la flotte en train de me laver les fesses. Voilà. J'ai fait caca, moi je me lave. Oui, c'est un... Bref, voilà. Donc c'est le troisième endroit qu'on retrouve. Moi je me lave jamais. Ouais, non, t'aimes bien cette crâne. Ouais. Donc c'est le troisième endroit sur Destiny, c'est un ancien camp de recherche. Donc me demandez pas ce qu'ils ont cherché parce que je vous le dirai pas, vous avez qu'à faire l'histoire. Voilà, point barre. Non mais sinon c'est spoilé et tout, j'aime pas ça, spoiler les gens. Après, c'est devenu un peu tropical, hein. Hein, ouais, c'est vrai, c'est un peu la jungle et tout, tout ça. Donc grâce aux voyageurs, hein, bien sûr, comme d'habitude, qui a apporté tout son, toute sa magie sur cette planète pour avoir de la vie et que les humains puissent la conquérir. D'accord. Voilà, en fait, tout simplement. Ça, ok, ouais, bah, je peux dire mon avis sur Vénus. Ouais, vas-y, vas-y. Eh ben, moi, pour moi, Vénus, c'est, ouais, c'est vrai que c'est la plus belle. Je trouve que, ouais, c'est magnifique. J'avais vu dans des streams ou quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est, enfin, comme tu dis, ça fait tropical, ça fait un peu la jungle, ouais. Ça fait un peu... Jungle. Non, mais j'adore. Franchement, j'adore. T'adores de pas mal. Ouais, franchement, ouais, on dirait un endroit à la Terre, tu sais pas, en Amazonie ou... Tu vois, on dirait non, des c'est trucs... Non, c'est vrai, hein. C'est clair. C'est hyper beau, quoi. Après, t'as le côté, t'as un côté, c'est un peu plus cubique, je sais pas trop si on verra, si j'arriverai à aller dedans. Mais c'est un peu moins beau, mais en fait, ça le fait, quoi. Et t'as le labyrinthe qui est dedans, qui est juste génial. Un labyrinthe? En fait, il y a un labyrinthe, quand tu fais une mission, à un moment, t'as le labyrinthe et c'est vraiment... Ah ouais. Bah, c'est beau, quoi. Putain, regarde ce paysage et tout, moi j'adore, quoi, même l'eau. L'eau qui est rouge à moitié et tout, enfin, je trouve ça vraiment stylé, quoi. C'est vraiment pour moi Zetsu, là. C'est ça qui est bon. Du coup, sur cette petite planète, on retrouve 5 missions. Après, on retrouve aussi 2 assauts. Ouais. Et on a un raid. Alors le caveau de verre, pour l'instant on l'a que sur cette carte là. Je suppose qu'on va avoir d'autres raids plus tard, hein. Je m'avance pas parce que j'en sais rien. Mais je pense qu'il y aura ça. Il y a 5 coffres aussi à récupérer. Oui, après il y en a qui sont aléatoires. Il y en a qui sont aléatoires, hein, comme d'habitude. Mais il y a 5 coffres à récupérer qu'on peut... Enfin il y a des choses dedans cachées, quoi, voilà. Il y a des missions annexes de l'avant-garde comme d'habitude. J'ai vu le petit truc clignotant bleu ou vert, je sais plus. D'ailleurs. Où ça? C'est ça, hein. Les missions de l'avant-garde, non? Oui, c'est ça. Bah, il y en avait un là, par là, là-bas. On va voir, ouais, là-bas. Oh, yes, un engrane. Ouh, un engrane. Voilà, dégage, tu me fais chier. des missions, machin, et des fleurs, on retrouve des fleurs spirituelles. Alors, par contre, à chaque fois, je galère sur cette carte. Je ne connais pas du tout les points où ils sont, enfin, où elles sont. Alors, à chaque fois, je me fais chier à framer cette carte parce que je trouve jamais rien, en fait. Ouais. Je suis comme un con, à chaque fois, je cherche. Bonjour. Non, bah, je m'en vais, je veux pas rester avec mon niveau là. On est déjà, je veux pas mourir. Dégage. Voilà, donc si on en trouve une tout à l'heure, bah je vous ferai voir ce que c'est, parce que du coup, bah Kazak s'est fait avoir, quoi. Voilà. Après, on retrouve quoi, ma petite Marie, sur cette carte? Je ne sais plus. Des ennemis. Des ennemis qui sont les Vex. Bon là, c'était pas des Vex parce que du coup, des méchants, d'autres méchants. Dans cette zone. Et on retrouve les Vex, donc ce sont des robots capables. Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Attends, voilà, ça c'est un Vex, ça c'est un méchant Vex, un Minotaur de Kenya. Voilà. Ah, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des robots qui sont capables de voyager dans le temps, en gros, et c'est la race la plus mystérieuse qu'on va rencontrer dans le jeu, en tout cas. On n'en sait pas beaucoup sur eux. Bah, du coup, c'est peut-être que dans les prochains DLC épisodes, il y aura du coup peut-être plus d'informations. Ah bah peut-être, ouais, mais pour l'instant, du coup, ils sont... Enfin ouais, c'est très mystérieux, quoi. Donc d'accord. On sait pas trop... Ah, là, tiens, une fleur spirituelle là-bas, les gars. Voilà, je me perds dans ce que je dis, mais je voulais vous faire voir la fleur spirituelle. Voilà, génial. Après, leur point faible. Leur point faible, c'est le torse à eux, par contre. Donc faut pas leur foutre des headshots, ça sert strictement à rien. Ah bon? Non, faut... dans le torse, ils ont un petit truc qui brille. Bah, de toute façon... lui, Minotaur, forcément, y'a pas. Enfin, y'a, mais... Là, tu vois ça, c'est son torse, là du coup tu lui tailles dedans et puis c'est là-dedans, c'est ça son point faible, quoi. D'accord, ok.
Enfin, je te laisse énumérer du coup les ennemis. Ouais, pendant que je galère avec mes petits ennemis à moi là. Putain, connard, ça va. Donc, on retrouve les gobelins. C'est juste, c'est un peu les l'infanterie quoi. Donc, ils sont là en surnombre et puis ils te défoncent la gueule, généralement. Ok. Tout simplement. Après, les autres gobelins, c'est la même chose mais en plus fort. D'accord. Un peu plus gros. Les minotaurs, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça c'est la race la plus dure. En gros, c'est eux qui sont un peu plus compliqués à tuer quand même. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est vrai. Ils ont l'armure et tout ça, donc c'est assez galère. Je sais pas trop. Ils sont plus imposants en plus, je trouve. Ils sont imposants, ils ont trois, on les reconnaît avec leur taille et leurs trois yeux. Mais bon, ça, les trois yeux, faut les voir parce que moi je les ai pas vus. Enfin, voilà. Ils sont plus puissants que les. C'est les plus puissants quoi, donc, voilà. Donc ils sont assez chiants à tuer. Les plus puissants des Vex. Ouais, quand t'es en raid, c'est assez relou quoi, qu'ils sont là. Après, on a les minotaurs. Non, on a les hydres. Donc c'est les, je sais pas si on en a, je crois on en a vu tout à l'heure, on en a croisé, c'est des unités volantes, du coup qui ont des petites toiles, enfin des bandes toiles mitrailleuses quoi. D'accord. Des toiles mitrailleuses. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bon, je sais pas, moi, je Destiny, moi j'y joue pas. Hein. Ouais, mais tu peux suivre le papier qu'on a fait quoi, hein, bah, quand même là. C'est écrit avec elle fait sa hutte. Hein. Là, je suis pas d'accord avec toi là. Là normalement, voilà. Enfin bref, après il y a les harpies, et donc ça c'est pareil, c'est des petites unités volantes par contre. Et ils sont spécialisés dans le harcèlement, on dira pas quoi, et ils jettent des petits projectiles à la gueule et te font bien chier. En gros, ils te suivent partout. Ouais, ils sont assez relous quoi. Mais on voit pas d'ennemis, c'est relou ça. Vous voulez vous faire des c'est quoi ça? Ça, c'est toi en. Voilà quoi. Ah non, c'est stylé. Tiens, je récupère des fleurs parce qu'à chaque fois j'en ai jamais. Hop. Ça, je sais pas, je sais plus ce que c'est, ça va être un portail. Voilà. C'est stylé. C'est joli. Non mais cette carte là elle est vachement bien parce que les missions qui sont dedans elles sont juste énormes à chaque fois. Ah bah ouais. Alors tu vois les autres machins, t'avais les gobelins et ça les autres, eux ils sont relous aussi à tuer parce que c'est à moitié les snipers en gros. D'accord. En fait il y a un peu les mêmes classes dans chaque ennemi c'est mais à peu près pareil, sauf ouais, voilà. Qu'ils sont plus puissants sur certains trucs. À chaque fois ouais, ils sont plus gros ou... Tu vois il te fait à chaque fois mal lui là, le bâtard, un petit sniper hein. Et puis bah voilà ce qu'on peut dire sur cette carte là en fait. Hein. Alors est-ce que moi c'est ma carte préférée en tout cas perso, avec Mars, qu'on parlera après. Mais je la trouve hyper intéressante, dommage qu'elle soit pas assez grande, encore une fois, mais je pense que les portails, enfin les maps vont s'ouvrir au fur et à mesure des années, du temps, des mois ou des semaines qui arrivent sur des semaines. Mais des années aussi parce que... Bah de toute façon il y a un DLC qui sort et c'est sur Vénus. Ah ouais? Parce que bah oui, t'as pas vu sur certains sites, il y a déjà des gens qui ont réussi à trouver le passage. D'accord. Oh. Oh là, ça fait peur, c'est le vide. Ouais, je sais, ouais, c'est. Ah oh, non, ça fait peur. Ça fait peur, je fais paniquer Marie. Ouais, non, j'aime pas ça. Bah voilà. Bah ok, bon bah sur ce, du coup, voilà cette petite présentation de Vénus. Voilà. Pas une vidéo très très intéressante, mais c'est une vidéo. Ouais, nous ça nous plaît de faire ça, on continue. Du coup, bah vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez bien aimé la vidéo, à commenter aussi parce qu'on aime bien échanger avec vous, à partager aussi parce que comme vous le savez, vous contribuez à notre avancée sur YouTube. Et dites-nous la planète que vous préférez aussi. Ouais, voilà, exactement. Si vous jouez à Destiny, laquelle vous avez préférée, ou si vous regardez nos vidéos, laquelle vous avez trouvé la plus belle, à la fin de mars, du coup, quand on aura fait mars, vous nous direz. Ton ro était dégueulasse. Non, franchement, mais c'est bon, j'ai refait. Le mec, d'ailleurs, on rotait moins et maintenant le mec il rote tout le temps. Enfin, bref. Et du coup, vous n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Facebook, Twitter et Twitch si vous ne l'êtes pas encore. Et puis voilà, pour nous suivre au maximum. C'est ça. Sur ce, on vous dit ciao. Ciao, à la prochaine. Ouais.